avait PC avec PS4. Donc j'ai testé l'expérience avec une personne qui n'avait pas de PC, parce que dans toutes les vidéos où j'ai pu voir qui ont été faites, la personne qui avait une PS4, il devait aussi avoir un PC. Vous n'êtes pas du tout obligé, c'est-à-dire moi-même, lui il n'avait pas de PC, il n'avait qu'une PS4, et moi, bon, moi j'ai les deux, mais ma PS4 je ne l'ai pas utilisée. Donc j'ai juste utilisé mon PC. Donc de mon compte principal, je me suis déconnecté, je me suis connecté avec son compte. Donc il ne faudra pas vous connecter avec Facebook ni Epic Games, il faudra vous connecter avec le compte Google+, qu'on peut voir juste en rouge. Donc vous connectez, donc il faudra bien évidemment qu'il vous envoie son email et son mot de passe. Donc je dis bien, ce sera bien évidemment son mot de passe de son compte Google, pas de son PSN. Et vous connectez très simplement, il n'y a rien de compliqué réellement. Et vous envoyez de son compte une invitation de votre compte principal. Dès que vous êtes envoyé l'invitation, vous vous déconnectez de son compte, vous connectez avec votre compte principal. Vous acceptez la demande d'amis et vous allez vous allumer Fortnite. Et lui, de son côté, devra aussi allumer Fortnite en tout de sa PS4. Hein. Et normalement, si tout a bien marché, bon, je répète, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein, ça prend 3 secondes à faire. Vous directement vous connectez, normalement vous le verrez en ligne. Mais alors, bien évidemment, ce que j'ai oublié de dire en vidéo, c'est que lui ne pourra pas vous rejoindre. Peut-être vous inviter, j'ai pas regardé, mais bon voilà. Et vous pourrez le rejoindre. Donc c'est vraiment, c'est que PC qui pourra le rejoindre. Donc le but juste de cette manip, c'est juste d'associer son compte PC, d'associer son compte PS4 à le launcher Epic Game. Donc même pas besoin de télécharger Fortnite pour celui qui a la PS4. Il télécharge juste le launcher Epic Game. Il se connaît, il envoie une demande d'amis à celui qui a le PC. Et normalement, tout ça est fini. Après vous n'êtes pas du tout obligé de rester. Vous n'êtes pas du tout obligé de rester connecté sur le launcher Epic Game pour pouvoir jouer avec lui. Vous pouvez directement fermer le launcher Epic Game et après de vous connecter tout simplement sur votre PS4. Donc PS4 et PC, normalement vous pourrez jouer ensemble en duo, en section, en solo, donc tout ce que vous voulez. Donc si la vidéo les gars vous l'aurez apprécié, vous pouvez liker, partager, abonnez-vous, ça ferait très plaisir. Et ciao tout le monde.